Salut tous, c'est Nuit et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, parce que c'est une vidéo la salle sur la nouvelle île. Et oui, forcément la nouvelle île qui est sortie. Et vous êtes nombreux à me demander en live et également dans les commentaires comment Nuit on va sur l'île, etc. En mode libre, comment on va en session libre. Parce que là on est actuellement en session libre, je vous montrer ça tout de suite hein. On est avec la salle, bonsoir la salle, comment vas-tu? Hello, bah moi je suis au point, j'attends. Il est au point, la salle est au point. Il est au point là où on va pouvoir, les gars, aller sur l'île. Je vais tout vous expliquer comment ça se passe, comment faire, etc. Alors, donc déjà dans un premier temps, la salle, avant toute chose, il faut savoir que soit pour retourner sur l'île, soit, moi je vous parle librement, soit bah, en gros, parce que en fait, quand vous y allez au début, il faut repérer tous les trucs, vous savez, une fois que vous êtes sur l'île. Il y a plein de trucs à repérer, il y a l'argent, il y a la cocaïne, il y a le cannabis, il y a l'or, les tableaux, etc., etc. Et du coup, en fait, tout simplement, les gars, vous pouvez rejouer la mission. Si par exemple, vous décidez de ne pas tout repérer au début, et vous partez de l'île, vous quittez l'île avec le pilote, bah, vous pouvez revenir en relançant la mission via le sous-marin. Je vous montrerai ça après. Ou sinon, tout simplement, une fois que vous avez fait tout simplement toutes les missions de préparation, et vous avez fini le braquage comme on a fait avec la salle, vous allez avoir un point spécial sur la map qui va apparaître. Donc je vous montre ça, c'est parti. Je mets, hop, voilà, ma caméra en jeu. Alors, ok, donc voilà, on est actuellement du coup sur le jeu, les gars. Donc au passage, hein, ça je le répète, mais l'île n'est pas visible sur la carte. Hein. Voilà, regardez, je fais le tour. Elle n'est pas visible, voilà. Elle n'est pas visible, parce que tout le monde me dit « Ouais, montre-lui dans la map et tout, tout en live. » Non, elle n'est pas visible. Et malheureusement, la salle, c'est dommage, la salle. C'est très dommage. Effectivement. Voilà. Mais par contre, tu sais pas, elle est de quel côté, tu penses? Pour moi, elle est en bas à droite. Pour la salle, il dit qu'elle est en bas à droite. Ici, là. Voilà. Voilà. Donc après, à voir. Moi, ouais, franchement, je sais pas. Vraiment, j'ai pas fait attention. Mais voilà. En tout cas, voilà. Donc, du coup, une fois, les gars, que vous avez fini les braquages, vous allez avoir un petit point qui va apparaître juste ici. Donc, c'est juste à côté de l'école de pilotage. Donc, je vous montre ça sur la map. Voilà. Ici, vous avez l'école de pilotage. Et ici, vous avez un point, là où il y a la salle, pour relancer tout simplement, eh bien, l'île et retourner sur l'île. Mais vous allez voir que c'est pas si ouf que ça. Voilà. Je vous spoil pas, mais vous allez voir. Voilà. C'est le point. Qui est juste ici, il est en bleu, donc moi je le vois pas parce que il n'y a que la salle qui peut, parce que c'est lui qui était le hôte. Alors je rappelle ça très très important, il faut être celui qui lance le braquage, les gars. Alors attends, je rejoins le club de motards de la salle. Voilà. Alors si jamais, par exemple, je sais pas, vous avez fait le braquage avec votre pote, donc là par exemple moi c'est la salle, c'est celui qui a lancé le braquage qui va avoir le point bleu. Si vous avez participé au braquage et que vous n'êtes pas le chef, et bien tout simplement, vous n'avez pas le point bleu qui apparaît. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous allez sur le point bleu et... Waouh, ok, d'accord. Et du coup, bah voilà, vous mettez... En fait, la salle, t'as le choix, c'est ça? Je peux y aller tout seul avec les membres de l'organisation ou avec mes amis. Voilà, en gros, vous pouvez y aller vraiment à n'importe quel nombre que vous voulez. Voilà, donc on a la petite cinématique, on atterrit sur l'île. Le petit garde du corps qui nous attend. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'île, elle est vide, t'as vu? Ouais. Voilà, alors une fois qu'on est sur l'île, il faut savoir que c'est limité. Alors je vais vous montrer, les gars. Comment leur dire, la salle? Bah vas-y, hein. Montre. Je vous montre. Donc là, on est actuellement sur l'île. Voilà. Pour retourner à Los Santos, pareil, hein, au passage, c'est ici. Voilà, sur la petite voiture ici, vous faites flèche de droite pour retourner à Los Santos, je vous montrerai ça après. Et malheureusement, regardez ce que ça fait. Voilà. Retournez à la fête, les gardes de El Rubio vous expulseront de l'île si vous forcez. Donc, en gros, si on les refoulait trop souvent. Bon, on va le faire, hein. Jusqu'à ce qu'il nous refoule la fin. Voilà, au passage, hein, je vous montre. Attends, vas-y, la salle, fais-le. Je vous montre juste l'accès qu'on a. Donc, ici, on peut pas y aller. Voilà.
On peut pas. En gros, on a accès juste à. Bah, ça en fait, la boîte de nuit là. Voilà, on a accès au bar. On peut danser. Tiens, on va se commander un petit truc à boire. Allez. Ah, il y a des encas même. Ah, bah, les encas sont gratuits. Bah, voilà. Oh, c'est quoi, j'ai Quand tu oublié. voudras quitter l'île, fais-le. Pourquoi? Il y a une cinématique. Ah, je vais le faire, t'inquiète. Ok. Je prends juste des petits trucs. Allez, on va servir un petit verre de vodka. Au calme. Je rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé. Hein, mais bon, on est dans un jeu, hein, je veux dire, voilà quoi. On peut rien faire, la salle. Effectivement, c'est dégueulasse. En plus, c'est un verre de. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On peut faire ça, on peut danser. Voilà, on peut danser sur l'île. Hop, voilà. On peut danser, y a rien de spécial en fait. Et là, vous dites, ouais, mais une, regarde, si tu contournes par l'eau, peut-être qu'il y a moyen. Ouais, regardez, y a qui? Y'a qui? Il y a le. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. C'est le gars avec. Bah, le gars des braquages là. Avec le haut blanc. Miguel? Ouais, je crois que c'est lui. C'est le gars là, je sais plus comment il s'appelle. Miguel Madrazo? Non, non, l'autre. Celui qui. Tu sais, le gars qui gère les DJ. Et regardez, Ah, oui. on peut pas aussi aller à travers les bouées. Il y a une limite. On n'a pas le droit de dépasser les bouées. Et vraiment partout, partout, partout. Alors il danse dans l'eau la salle. Hein. Ouais. Regardez, il est en train de danser dans l'eau. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici pour se coucher? Non, rien de spécial ici. Ouais, à part ça, à part des filles qui dansent, il y a rien de spécial quoi. On va essayer de se faire refouler, les gars. Alors. Tu sais, t'étais plus sur l'île, toi, au passage. Bah non, parce que j'ai forcé, forcé, puis à un moment Combien de donné, fois? oh, peut-être 8 fois ou 9 ou je sais pas, vers là. Ah, c'est bon! T'as une Ah! cinématique. Ouais, il m'a mis un coup de crosse. Et après, il y a quoi? Bah, je te laisse regarder, hein. Wouah! Je me suis réveillé. C'est toi qui as les flics, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est moi. Mais tu les as pas de base, hein. Ouais, non. Bah, je me suis réveillé sur Non. le. Sur la plage. Ah ouais, C'est c'est stylé, en stylé. vrai. Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Problème, pour y retourner, faut aller à l'aéroport. Ah ouais. Il est où mon Jinji? Il est juste. Ouais, bah, il est pas là. Ok. Et du coup, au passage, la salle, est-ce qu'on peut dire un truc? Si jamais vous voulez relancer le. Bah, en gros, l'île, mais pour. Tout simplement débloquer les nouveaux trucs là, et ben en fait, tout simplement, faut aller sur votre sous-marin. Vous faites planifier un braquage et vous relancez tout simplement l'activité pour pouvoir avoir tous les accès. Alors, moi, il faut savoir que j'ai tout débloqué, je l'ai fait en live tout à l'heure. Vous avez juste à regarder le live. Hein, bon, tout à l'heure, bon, c'était il y a 6 heures quoi maintenant. Vous avez juste à regarder le live et du coup, vous avez toutes les informations parce que j'ai tout fait en fait. J'ai tout débloqué, toute l'île à 100%, je l'ai débloqué, les gars. Donc voilà, vous avez juste à regarder ma rediff si jamais vous voulez tout débloquer, toutes les cachettes de l'or, toutes les cachettes de l'argent, du cannabis, Ouais, etc. le mec est chaud. Voilà, en tout cas la salle, est-ce que t'as un truc à dire? Bah le mec est chaud quoi. Effectivement, le mec est Tout chaud. débloqué. En tout cas, franchement, voilà. Il faut savoir que c'est. Je suis assez déçu quand même parce que Rockstar, ils nous ont mis que la boîte de nuit Une carotte. accessible. Voilà, ils ont mis une carotte. Mais je me dis un truc, c'est que en fait. Je pense qu'ils gardent ça pour le futur, parce qu'ils ont dit dans la news d'ailleurs que en gros j'ai enlevé le jeu la salle. Je vais monter parce que la salle il va m'écraser. Voilà. Que en gros il allait avoir des mises à jour dans les semaines qui arrivent. Donc à voir si il y a des nouveautés. On verra bien. Pour l'instant les gars, on se spoil pas, on se dit rien. En tout cas, c'était comment aller sur l'île en mode libre. Vous pouvez y aller si vous finissez le braquage ou si tout simplement vous relancez la course via
le sous-marin si vous n'avez pas tout débloqué. Mais une fois que vous avez tout débloqué, une fois que vous êtes lancé dans le braquage, vous ne pouvez plus lancer du sous-marin. Il faut finir le braquage pour pouvoir y accéder. Mais en tant que chef. Les préparations sont longues. En tant que chef, la salle. Ça, c'est très important également. En tant que chef. Si vous participez au braquage et que vous n'êtes pas chef du braquage, vous n'avez pas le point bleu qui apparaît. Et ça, c'est pareil, c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui veulent le faire avec leurs potes et ils peuvent même pas retourner sur l'île. Ils doivent refaire le braquage de leur côté. Et ça, c'est dommage aussi. En tout cas, voilà, on sait ça dessus. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, ciao.